Bonjour et bienvenue à Disneyland. Tiens ton appareil de travers. C'est normal, les virages sont inclinés, voyons. C'est hardliné et tout. Ouais, mais non, en fait c'est droit. Bonjour. Hello, bonjour. C'est Colette. Non. Ah ben Colette, elle a bien changé alors. Ah, oh, au mieux. Ça, je dirais rien. Hein. Ah bah c'est bien, ils vont arriver, ils sont pas très loin, donc ils vont pas tarder à arriver. En tout cas, on l'a fait ce matin, donc il est là, regardez, oui, voilà, il est derrière. On vient d'en sortir. Ouais. Lilian était le first timer de Ratatouille. Faire ton impression. Génial, je vous le conseille vraiment. C'est juste une... Alors au moins c'est court, mais c'est précis. Mais franchement, la première, ça met vraiment la sensation. Bah, ça me sentait de l'air normalement. Bah oui. J'ai soit, oh là, 3,05$, je la prendrai pas ici. Rock. Ah bah il y avait plus de rock. Je sais même plus quoi dire moi. C'est Disney, c'est l'inspiration, ça ne m'inspire plus. Bon, un mot à dire peut-être. Là tu me prends au dépourvu. Ah, tu dis un mot au hasard, je sais pas. Un mot. Voilà. Non, il l'a déjà dit avant. Hein. Ah merde. La puche. Allez, débite. Appareil photo avant de filmer. Oui, mais en même temps, t'arrêtes pas de changer d'appareil photo, toi, en ce moment. Oui, bah oui, là, je suis sur mon appareil. Papy, il a du mal. Bah là, pour une fois, je l'ai pas fait tomber. Hein. C'est bien. Attends, ça peut s'arranger. Un jour, je vais aller prendre la photo avec Spidey. Bref, on a eu le. Et moi aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a eu le Sun Tracker rouge. Oui, comme ton t-shirt. Ouais, mais bon, mais c'est Osiris. Oui. Attention la gaffe. Oui, il a très très peur. Fallait pas lui dire, ça serait passé tout seul. Ah, là, ça dit. Pour les couleurs du Sun Tracker, je peux changer les couleurs si vous voulez. Je veux du noir. Du violet. Non, y en a déjà un. Y a un du violet. Trouvez-moi un truc original là. De la couleur taupe. Je sais pas ce que c'est. Marron caca. Yes. Voilà, c'est ça. Oh. Ah, on peut essayer si gros vous voulez. Saumon. Bleu d'amido, un bleu dégueulasse. Nightland. C'est quoi ces a priori là? Bah je suis désolé mais les couleurs que nous sort d'amido, on dirait qu'elle est chie hein, parce que... Non, mais elle a vraiment donné son nom à une couleur? Non. Mais ça prend... mais si tu veux, elle va voir la vidéo, elle va peut-être le faire. Ouais. Je sais que parmi les 2300 abonnés, elle a dit peut-être qu'elle me suit mais... Et alors là, on peut toujours aller voir Crush, on sait jamais. Allez, on va le voir. Allons passer. Imhotep. Bon, par contre, pas Armageddon. Ça va, Imhotep. Alors voilà, elle en avait un petit, elle a vu le gros, il a fallu qu'elle l'achète tout de suite. Bah oui, attendez. Enfin, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends que qu'ils les mettent sur le parc. Alors voilà, ça y est. En plus, il est tout doux, il est trop sweet. Ça va. Non, mais je suis une grande balle. Je suis quand même fait, je fais la pause crédible. J'ai jamais conduit un scooter de ma vie. Hein. Ça se voit. C'est comme un vélo, mais c'est avec un moteur. Faut avoir son BSR, monsieur, pour. Allumé. Non. Non.
Oui, mais comment? Parisien par excellence. Placé dans les bouches. Et le scooter motard l'avait volé. Ah là 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 là. Eh, c'est pas une vraie selle, hein, c'est dur. Hein. Tiens, ils viennent de rouvrir là, ouais. 120 minutes. Alors, tout est rouge aujourd'hui, même les scooters après les Soundtrackers. T'es aussi crédible que moi. Hein. Ah mais c'est GTA, attends, on va mettre la Ah bah oui, il faut écraser des piétons. Milou, tu te couches par terre. Ou alors tu fais la pute. Voilà, elle le fait en plus. Vous prenez combien, madame? C'est con. C'est moi qui pour les femmes. Dans le 5, il y a 3, dans le 5, il y a 3 tarifs maintenant. Allez, maintenant il y en a une sur moto. À moi. Ah, je prendrai. Ah, elle est dans BTM, elle fait IA, elle. Non, il sait pas prendre. Antoine, laisse les gens prendre des photos. Le truc, il est relevé. Moi, je te filme, c'est mieux. Faut que je te prenne une photo. Bon, bah, je te prends une photo. Faut péter quand même. Ah, c'est ma musique préférée du land. Disney met du bambou partout, il y en a encore derrière là. C'est l'heure de manger. C'est normal, c'est pour garder le. Ah oui. Non. Il y en a une coupe panda, c'est pas Disney. Non, c'est DreamWorks. Le climat là-bas, non. Pour faire pousser les plantes qui pousseraient pas. Ça a l'air bon. Attention. Ça a l'air bon aussi. Ah, l'air bonne, c'est pas pareil, mais oui, bon. C'est peut-être bon aussi. Et là, encore une autre catégorie, mais je suppose que c'est très bon aussi. On mange comme les cow-boys, à des mains. Parce qu'ils mangeaient pas de sandwich, les cow-boys. Pour non. Cracher. Non. Alors, nous sommes donc dans Pirates des Caraïbes où nous allons assister à Dramatic Rats. Je vous présente Rémi qui sera notre cow-boy pour l'expérience dramatique. Alors attention, c'est parti. Ah mon dieu. On commence. Voilà, tu vas laisser la possibilité à 2300 personnes de prendre ma vidéo et de la mettre sur YouTube sans mon autorisation. Tout à fait, mais c'est pas grave, je ne suis absolument pas contre les droits d'auteur. Non, si, en fait, je suis contre. En fait, je m'en fous, en fait. Okay. Allez, pour le plaisir, un dernier. Alors, et pour une fois, on va faire un ride de POTC en entier. On n'est pas à Ratatouille, on est à POTC. Ouais, El Coletto. Iris, elle avait dit bonjour, c'est Cosette. Moi, je ne suis pas de ce groupe, hein, voilà. Alors, bon regardez. Appétit. Bande d'abrutis. Non, ça c'est un truc de jeune. Personne ne répond jamais. Mais vous êtes vraiment dégueulasse en fait. Hein. Hey, la France, le reste de la française, il est où? J'ai honte, mesdames et messieurs, j'ai honte. Alors. Ah, mais c'est tranquille là, je pourrais aller me planquer dans les buissons tout seul. Non, mais non. Ah, mais c'est pas grave. Ah, mec. Tu es armé. T'es pas censé te caser. Non, je sais pas, t'es pas censé te caser. Mais voilà, avec ta. Avec un bug. Oh, non, mais je vois rien en fait. Alors, ici, des tentacules. C'était Ramorphous. Non. Voilà. Une petite référence, comme d'habitude. En fait, on voit rien. Attention, il y a des pirates. Il était un petit navire. Ah putain! Eh, hey, il y a des gens qui filment devant, alors pas d'eau! Alors là, on va se prendre des embruns, alors désolé si vous aurez des gouttes après. Hein. La première fois que je suis dans le lit. Stop, on va se prendre de l'eau. Oh, il y a des rats. L'évolution n'a pas suivi son chemin normal à côté de moi. Dans quel...
C'était une fausse drop, hein. On penche beaucoup à gauche. On est pas équilibré, mais alors. Ah, il a carrément enlevé le chat, là. Oh. Il est tout seul. Oh non, il a fait glou. Oh oui, bah ouais, bah oui, bah. Arrêtez de vous battre, sur le mât de... Faites la paix. Des gogo, des gogo, des gaulois. Bon ben... Lui, il ne se balance pas. C'était qu'une drop, mais c'est pas grave. C'est les canons. Boum. Il a pas les boules. On penche vraiment à gauche. On va couler. J'ai entendu 6. Qui offre 6? Elle est pas encore là. Mais oui, voilà. On a une rouquine dans le bateau. Bon, une fois. Ouf. Il a tiré qu'une seule fois. Oh, oh, oh. Si vous avez dû tirer deux fois de suite pour le jeu. Bon. Eux, ils ont tiré deux fois. C'est pas bien. Faites votre œuvre pour suite, charmante jeune femme. La vendre au culin. Elle est moche, j'en veux pas. L'affaire Poudaron. Bougez ta cargaison, ma belle. Oh, il a balancé de l'eau. Ça bien s'il y avait de l'eau. Elle en a vraiment balancé. La rookie, on veut la rookie. On veut la rookie. Venez. Et voilà une scène extrêmement violente. Vous avez pas vu, vous, cette créature de Ah, désolé, ici, il n'y a personne. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, mais cachés. Non, il y en a qu'un. Ah. Elle suce. Salope. Moi, je reste. Oh, il est toujours en solo. Il bouge pas là. Monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous. Il est pas là, attendu, regarde. Ouais, du feu. Bah, on fait rien. Il y a rien là. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter? Je crois pas. Non, on va pas s'arrêter. Attention, ça va dropper. Argent qui ne sert à rien. Achetez un BM, nom de Dieu.
Voilà, ça c'était le caprice du coaster fan. Sûr que c'est clair en dessous. Ah, il n'y a pas de bouchon. Non. C'est vraiment fluide aujourd'hui. Si, si, si. Ah merde. Ah ben bienvenue sur la N104. Et du champ, c'est le moment de drame. Ah, boum. C'est du sang. Voyons. C'est des vrais rats là. Ah mon dieu! Si j'ai de la pluie, j'ai resté à 10 ouais. Je sais pas pourquoi il a remis de moi à ce casque-là. Oui! Ça culbute! Aïe! Bon, il est temps d'arrêter là cette horreur vidéo. Ça regorge tellement de conneries. C'est nous les conneries. Ouais, c'est vous les conneries. Tu veux dire quelque chose? Non, ça ira, je t'en remercie. Ça va, on te voit pas. Apparemment, je suis une connerie. On te voit pas, donc tu peux pas. Ouais, non, minimum. On voit pas, mais on m'entend. Voilà. Qu'est-ce que tu lui as fait là, Florian? Quelle superbe technicienne! Elle a le permis tuyau! C'est pas un volant, hein! En tout cas, ça vole pas très haut dans tous les cas. Ah, mais il remarche, tout excuse-moi, mais si la tour de la terreur marche, c'est grâce à moi, je fais tourner les manivelles, Coco! Vas-y, okay. tourne! Bah, tourne alors! Tourne! Ça tourne! Ça tourne, regarde! Ça tourne! Ça c'est tourne! Ça. Ça tourne! Ça tourne dans ta tête! Hein. Tu veux dire que ça tourne tellement vite qu'on le voit pas tourner, c'est ça? Excusez-moi, j'ai de la baston avec. Elle a un brevet de tournage de manivelle. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, stoïque, attendant le poing dans la gueule. Ah, le psychédélique. Avec l'effet de light derrière. C'est tout ce qu'il voit quand même. Alors, surtout si je filme ici, que c'est une attraction que je filme jamais. Vous pouvez témoigner derrière. La dernière fois que t'as essayé de filmer, l'appareil est tombé. Hein. Oui. Tiens le bien. Ouais. C'est exactement parce qu'il paraît qu'il y a une forte attraction terrestre dans cette attraction. Il va voler alors. Ouais, il va voler. Le rat. J'ai presque envie de le jeter par exemple quand il y a le lit et le récupérer après à la sortie. Mais c'est pas possible parce qu'il a atterri sur les toits. Ah bah oui, là oui, à moins que t'as un lancer de fou, mais. Patiner en école. Bon, j'ai froid, je vais dedans. Il fait déjà assez chaud dehors là. Moi j'aime bien parce que c'est des lights bleus et vertes. C'est surtout bleu. Oui alors ça je l'ai eu. Ouais c'est ça. Chaque fois j'y pense. Ta-da. Pas d'intrus sur la vidéo. C'est pas un intrus, c'est un rat. C'est pareil. Oh, regarde ça. Avec sa bonne tête. Et je peux vous dire, il masse vachement bien. Ah, mais là je le vois pas, il fait trop noir. Vas-y toi. Avec une tripe. Oui d'accord. Par contre toi on te voit, t'as un halo, c'est un halo lumineux sur toi. Ah mais. Donc on vient de faire cette magnifique attraction. Ouais, avec un Rémi volant. Rémi volant. Et ça tombe bien parce que ça va être l'objet de notre question. Et oui, parce qu'on va changer un peu le but des questions dédicaces. Aujourd'hui on est au studio. Oui bon. Avec le soleil dans la gueule. Ça c'est pas grave. Et donc c'est une question sur la Tower of Terror. Regardez-la bien, hein, voilà. Tower. Je la filme, je la garde. Exactement. Tour of Terror. Le HLM de la Terreur, si vous voulez. Ah bah oui, c'est vrai. It's waiting for you. Ouais. Donc voilà, vous l'avez bien vu maintenant. Oui, et donc en fait, je voulais savoir si vous pouviez me dire comment le concept de cette tote-là a été pensé et où est-ce qu'on la retrouve en fait et quelle est l'histoire finalement de la tote et putain, c'est horrible avec ce soleil. Et où sont les petites plaques qu'il y a tout autour? Et donc du coup, merci, très bien ça. Et donc du coup, oui, en gros, la tote, c'est un modèle pas forcément de série et celle-ci a une particularité. Propre à cette note, hein, finalement. J'ai rien de con là. Sinon, t'es très bien. Et t'es dans ton élément là. Et donc, du coup.
Ah putain. Oh non. Oh non. Assume ta connerie. La particularité, c'est pas qu'elle a des filets, hein, c'est pas ça. Hein. La particularité de cette note est qu'elle tombe en ruine. Un petit peu, mais voilà. Et donc du coup, voilà, quelle est comment dire plus clairement, parce que là, je suis pas clair. Voilà, cette note a une particularité qui fait qu'elle voilà, bah elle est particulière, hein. Enfin bref, okay, je m'en sors pas moi. On comprend. Et donc voilà, racontez comment vous pouvez me dire ce que c'est cette particularité et finalement quelle est son origine. Voilà. Ah oui. Quelle est son origine. Ah non, mais je m'en sors pas, j'ai sorti les rames depuis une heure là. T'es sûr que t'as pas donné la réponse dedans hein. Non, j'ai pas. Justement, je tourne autour du pot pour pas la donner là. Mais j'ai juste peur que tu les orientes pas du tout vers la bonne réponse. Et bah, qui vont répondre complètement. Si j'en dis trop en même temps, ils vont tout de suite. Bon, on verra bien. Mais bon, t'as demandé d'improviser, j'improvise là. Ils sont sur toute leur science sur la fraction. Exactement, ça fera 10 000 commentaires, ça fera des trucs à répondre. Ouais. Aucun qui sera bon. Et vous sortez pas les Wikipédia, hein. Oh. Ok. Ah non. Parce qu'on a un logiciel qui détecte le copier-coller. Ouais, mais ça, les profs, ils en ont maintenant. Ah oui, mais profs, en fait, ils ont ça du coup. De toute façon, la réponse n'est pas sur Wikipédia, je crois, voilà. De toute façon. Donc c'est ça, c'est fait. Elle est sur DCP. Alors, attends, j'étais une guest. Alors, attention, c'est parti. Donc en gros, cette tote a une origine particulière et qui fait qu'elle ressemble à une autre. Et qu'il faut m'expliquer pourquoi on l'a eu finalement en 2007, c'est ça ? 2008. Ouverte en 2008. Donc pourquoi on l'a eu en 2008 et finalement, bah voilà, je peux pas non plus trop vous guider parce que sinon je donnerai la réponse. Donc. Mais au moins, c'est quand même plus guidé là. Voilà. Bah, vous avez vu la question en plusieurs versions, alors là, vous devrez. Ça devrait être facile, hein. Allez, sur ce... J'en peux plus. Sur ce, on va changer d'attraction. On va aller à Béthier, mais j'ai plus de voix. C'était très joli. Très joli, voix. Allez, allez. T'es en train de muer, toi aussi. Allez, on y va, c'est bon. Ça va être horrible demain, Osiris. Chapeau rose. Fait maison. C'est quoi qu'on va faire. Alors devant nous on a trois personnes sur une même rangée. Salut. À toi tu te fais remarquer hein. Le qui coule. C'est Liliano. Liliano c'est le leur faisait. Oh là là là. Représente wesh. Ah mais c'est super Marvel. On a perdu. Pour ce commentaire.
C'est normal, c'est le contre-jour. Hein? Ah, il filme, pardon. Moi, j'étais en train d'être dansé sur la musique de Main Street, moi. Oh, c'est bien. Mais c'est le loop lent, là. Ils ont pas mis le celui qui est... Ils ont pas mis le loop rapide. Ouais. Non, là, c'est la fin de journée, on sera le là. Le loop rapide, il est à Indy. Ah, pardon. Ouais, t'en aurais eu bien besoin. Bon, c'est pas de lui dont j'aurais le plus besoin. Mais là, on s'est mis en place pour le feu d'artifice du 14. Voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais filmer, d'ailleurs. Donc, on est... 9h25 et le tirage du... On est positionné là, bon, bien sûr on garde des places ici. Oui, hein, parce que les autres gens sont partis un peu rider, un peu manger. Rider, est-ce qu'on voit un peu dépasser là-bas? Fumé. J'ai cru en voir quand on a fait Indy justement. Ah ouais? Mais c'était pas très clair. On a peut-être pas beaucoup. Là il y a un peu qui vient de partir, mais c'est pas... J'ai pas vu de fumée. Enfin voilà. Bon, bien sûr, je refilmerai un coup quand ils seront là. Ah, les 5 autres personnes vont revenir bientôt. Histoire qu'on voit quand même tout le monde. Hein. Ah bah oui, avant qu'il fasse nuit aussi. Oui. Bon, ça va. On est en dessous d'un lampadaire. Hein. On est en dessous, oui. Qui me sert de support en plus. Ouais. Wow. Voilà, j'ai rendu mal. J'ai rendu mal à tout le monde. Espérons que. Ah que coucou. Mais il est en train de se faire une ligne là. Ah oui, c'est bon. C'est mauvais là. Il y a un ballon qui s'échappe. Ah, je vais. Il s'en va. Bon voyage. Il s'en va. Et là. Et pouf, c'est tout. Coucou. Oh là là. Donc voilà, maintenant on attend plus qu'une heure avant le feu d'artifice. Que je vous préviens que je ne filmerai pas. Peut-être. Et la vidéo s'arrêtera là. Non, que je ne filmerai vraiment pas. Peut-être. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, Milou, tout simplement parce que déjà quand je filme le feu d'artifice, à chaque fois YouTube me bloque la vidéo pour la musique. De deux, j'aimerais en profiter. De trois, c'est pas facile. Bref, plein de raisons. Du coup, la prochaine scène sera une scène de conclusion. Seulement avec cette fois. Putain, tu sais qui me l'a passé? Bonjour. Ah oui, ça... Comment tu vas? Ok, d'accord. Ah, dis donc, je vois que t'as bien mangé, hein. Comme Milou. Oh là là. Elle vous emmerde, Milou. Nya. Bon, dis donc, mais tu n'as pas été au bistrot Jérémy? Parce que moi, oui. Oh, tu t'es fait inverser. Attends, je fais une scène, attention. Vas-y, montre le bras, là. Le bras, on a dit. Mon bras. Attends, comme dans le film. Oui, de le bras. Attends. Oh là tu ne sais pas ce que c'est et tu le manges. Moi, j'ai pas vu le film en fait. Oh mais juste. Ouais. Moyenne d'âge du groupe, hein. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il dit lui? Non, j'ai 26 ans. Qu'est-ce qu'il dit? What is it? Merci Florian pour le Emile d'ailleurs. Le jelly. Oui, mais je le dis à la caméra. Qu'est-ce qu'il dit? Il a un grogné. Et toi, tu t'es vu que là? Ah, j'ai plein de trucs, Emile, c'est mon chouchou. Non, il a vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Voilà, je vais à peine il est né, tu vas devoir déjà faire des petits canapés. Tu vas avoir du montage à faire, toi. Je pense, oui. Avec un coucou. Pas en gros plan.